Allez hop les gars, on est parti pour le mode histoire. Let's go! Sur les terres du Mordor, où règnent les ombres. C'est ici, sur les flancs de la montagne du destin, que Sauron, le seigneur des ténèbres, fut vaincu par la dernière alliance entre les hommes et les elfes. C'est ici que depuis 2500 ans, les rôdeurs du Gondor montent la garde, guettant une menace mystérieuse, quasiment tombée dans l'oubli. Et tandis que la puissance du Gondor déclinait, le pouvoir et la rage de Sauron grandissaient dans les ténèbres. Il est de retour au Mordor. Les ombres et les flammes ont investi les portes noires. Et aucun être mortel ne pourra l'arrêter. Violette ! Dirael ! Parfait. Pour tuer les poules. Je voudrais pas te blesser. Ah, tu es très loin du compte. Dirael, le méchant tueur de poules. Allez. Allez. Montre à ton père ce que tu sais faire. Oh. Tu vas devoir frapper plus fort si tu veux battre. Tita. C'est assez fort. Pars, mon fils. N'oublie pas de bloquer. Je ne devrais peut-être pas oublier de frapper. Sois vigilant. Ton ennemi ne sera pas toujours ce qu'il ressemble. Attends, je castagne mon fils là. Ouais. Doucement. Tu n'es pas encore soldat. Je vais te faire la peau. Ok. Maintenez ma gauche. Merde, il cherche trop vite pour que je l'attrape. Ah merde, c'est un bon, Dirael. Doucement. Rien de toi. Alors moi je gauche, je clique. Ok. Calme-toi, gros, c'est cool, je suis mec. Ok. N'oublie pas les bottes, mon fils. Et frappe fort. Je n'ai jamais vu d'orc aussi puissant. C'est parce que ce sont les Uruks. Ils sont plus forts. Il y en a trop. Je vais baisser de suite le son, les gars. Va chercher ta mère. Va la retrouver. Protège-la. Je vous rejoindrai. Fonce. Banni d'entre les morts.
c'est magnifique, c'est un truc de ouf. Ok, on va baisser le son directement, vous inquiétez pas, donc volume principal. Sinon, ce qu'on va faire... J'ai les mains moites. Je vais baisser directement le son via le PC, comme ça va être fait tranquillement. Hop, 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 l'ombre du Mordor, donc je pensais pas que ça allait être aussi fort, hein. Je vais mettre à 30, on verra par la suite, de toute façon, si c'est encore plus fort, on verra, on rebaissera, vous inquiétez pas, les gars. Ok. Alors là, normalement, on est bon. Là, on est bon. Il faudrait que je voie vos commentaires, donc il faudrait que j'active ça. Où est-ce? Et là, on est bon. Allez, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. J'espère que vous allez bien. On vient de commencer le live sur le jeu. Donc, vous inquiétez pas, vous ne ratez rien. Notre amour merveilleux erre sur les plages à Amphalas. Alors, maintenir G. Mage G. D'accord. Un âge doré. Débordant de belles promesses, semi-homme, elfe et nain croisé. J'appelle pas sur mage là. Toute leur sagesse. Joyeux anniversaire, mon cœur. Talion, je trouve ça magnifique. Où l'as-tu trouvé? J'ai encore quelques amis au Gondor. Tu as parlé à mon père? J'ai essayé. Il n'y a rien à faire, il est toujours aussi borné. Si on y allait quand même. Dirael ne voudra pas venir. Je suis certaine qu'une vie meilleure nous attend. Pas maintenant. Mais bientôt. J'en ai assez de me cacher ici, Talion. Je vais dégager le chemin. Il y en a trop. La furtivité est mon seul avantage.
Tu me crois maintenant, rôdeur ? Que m'est-il arrivé ? Tu es banni d'entre les morts. Condamné à errer entre la lumière et les ténèbres. Une malédiction nous a réunis entre les murs d'Arda. Si ce que tu dis est vrai, il nous faut rompre cette malédiction. Nous devons trouver celui qui nous l'a jeté. La main noire de Sauron. Ça me rappelle quelque chose. Talion a tué un noble, Yoreth. C'est pourquoi sa vie appartient désormais au Gondor. Père, si tu livres celui que j'aime, je jurerai que j'ai tué le seigneur Asgon quand il m'a attaqué. Nous sacrifierons tous les deux notre vie au Gondor. Ok, le dévorage des tours de forge débloque les souvenirs du spectre. Au calme. Ceci débloque de nouvelles missions, nouveaux emplacements d'éléments collectés sur la carte et des myriens. Ok. Ok. Quelqu'un sur l'Arcoste, hein? Je vais y remédier rapidement. Pour passer en mode distance, pour changer autre. La main noire, les boulets tous morts! Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Ok, appuie sur cette RL pour le saisir. Attends, jette-toi, quoi. J'ai quoi mon cœur? Pardon. Ok. Ok, voici les capitaines de l'armée de Sauron. Ils apparaissent sous forme d'ombre car leur identité est inconnue. Appuyez sur espace pour continuer. Ok.
Interroger les ennemis vous permettra d'obtenir des précieuses informations sur ces capitaines. Appuyez sur espace pour connaître l'identité de ce capitaine. Ok, nouveau renseignement obtenu. What the fuck? Gimub, l'esclavagiste. Vous l'avez découvert, l'identité de Gimub. Elle vous aidera à le traquer. Son titre d'esclavagiste vous donne des indices sur son rôle dans la société d'Uruk. Ou les Ngarlingon. Ok, pouvoir 3, capitaine vétéran. Vous avez également appris son niveau de pouvoir. Il vous indique la difficulté. Vous aurez à le battre. Ok, les récompenses que vous obtiendrez en battant. Hein. Ces récompenses comprennent les runes pour améliorer votre arme et le pouvoir, le pouvoir qui vous permettra de déverrouiller les nouveaux rangs et compétences. J'adore. Alors, 4 objectifs indiquent où se. On va y aller. Bon, il rend 3 quand même. Hein. Appuyez sur espace pour marquer votre cible. On marque. C'est là-bas que nous devons aller. On doit faire confiance à un orque. Ce n'est pas une question de confiance. Son esprit ne peut pas mentir. Alors, guide mission, les icônes dorées font progresser l'histoire au calme. Les icônes rouges correspondent aux luttes de pouvoir dans lesquelles les Uruks s'affrontent pour un rang récompense, pouvoir pour débloquer un nouveau rang de compétences. Ok. Les icônes blanches représentent les missions secondaires et les éléments à collecter. Récompense, Myriam pour acheter des améliorations. Salut, Rico, Rico, Rico. Toi d'ailleurs, il paraît que tu as acheté la PS4 et t'es pas venu voir tonton para. Deux missions principales sont disponibles. L'esclavagiste, sauver les hommes prisonniers dans le Mordor et trouver le capitaine noir. L'esprit du Mordor, découvrir le fonctionnement de la société du Ruk qui détruisait l'armée de Sauron de l'intérieur. Je suis tenté. Sachant qu'il est déjà le level 3 à l'autre, le bordel là. Ok. Tu obéiras. Donc je vais avoir le un succès. Mordor. Plus rien n'a de sens. Rien n'a changé. C'est comme ça. Le futur et le passé sont liés dans l'ombre. Je ne comprends pas ce que je fais là. Et je ne m'en souviens pas. Allons trouver l'esclavagiste. Son esprit pourrait nous apporter des réponses. Entrée dans le monde spectral. V pour trouver l'Ithildin proche. Il paraît que le rôdeur est maudit. Si c'est la magie spectrale. Ok, d'accord. Ça, c'est pour se mettre en local. Il est où, lui? What the fuck? Et la carte, ok, bien évidemment, donc Ouh, ça fait tarpène de bruit partout, frère, je comprends rien. C'est ça qui est kiffant, les gars. Il saute tout seul, par contre, le monsieur, là. Ok. Comment on peut déjà manquer de nourriture? Je croyais qu'on pouvait tenir encore plusieurs jours avant de repartir chasser. Il parle tout seul, là. Et Coco. Putain, mec, j'ai rien fait, j'ai déjà mis un point de compétence. Ok. Ouais, on a compris. Tu peux tout voir, tu peux tout sentir, tu peux tout nous renifler. Comment il monte? What the fuck, il est monté comme ça. Ok, d'accord, bon, ça va alors. Ok, ça c'est... Oh, what the fuck? Où tu vas toi? Il y a des esclaves en fuite, il a dit. Putain, ils se font poursuivre ou quoi? Sang! Je sens l'odeur du sang humain! Laisse-moi m'y baigner! Tiens, non, j'ai du sang! Wow, l'icône au-dessus de la tête de l'Uruk indique sa perception. Indique que l'Uruk a entendu du bruit, qu'il cherche d'où il vient, indique que l'Uruk... d'accord, maintenant j'ai vous fouillez. Magie, ok. Oh, lui il est énervé. Sale merde.
oublié quelqu'un sur l'Archost, hein? Je vais y remédier rapidement. On va traîner en pièces. Fusier, mec. Oh, j'adore les combos, le système de combat. Ok, je me suis fait avoir. Déjà mal. Ils m'ont empoisonné ou quoi? Ok. Menchien. D'accord, je vais canner. Oh, c'est pas facile du tout, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Utiliser pour déplacer le curseur. Mais je déplace là, ma gueule. Tu veux que je fasse quoi là? Faudes. Oh. Je comprends pas là. Tu veux que je fasse quoi, frère? Ah, d'accord, merde. Faut que je... Ok, j'ai compris qu'il fallait que je. Et ils font tarpement, les gars. Tu es prêt? Ça le termine. Tu parles d'un défi, toi? On ne pourrait pas passer directement à la partie torture et cri. Ah. Mais tu meurs jamais sur ce. Dommage, vous deviez mourir tous les deux. Je vais te faire implorer ma pitié. Eh, mais y'a Jimmy en mec. Ok. Repoussez-le. Ah non, là c'est terminé, mec. Il m'a terminé, genre. Tu as tenté et tu as perdu. Oh putain, c'était hard. Oh, c'était tarpeur. J'ai rien compris. Alors attendez deux petites secondes s'il vous plaît, parce que j'ai des petits soucis. Alors les Oryx s'affrontent sans répit pour dominer leurs semblables. Ok. Au bout d'un certain temps, indiquera l'état actuel des luttes de pouvoir. Ok. Tout compte fait, je sais pas si sans manette ça va être chaud parce que c'était hardcore. J'ai rien compris. Les mecs ils me disent de faire des choses, je comprends rien en fait. Il monte dans les rangs, c'est chacun si je ne tue pas. Ok, j'ai découvert plusieurs personnes. Moi, faut que je tue lui, moi. Ok. Putain, ça rigole pas, mec. Que sont ces tours d'argent? Ce sont des lumières qui nous guident dans la terre des ombres. Là où toutes les autres échouent. Le pâle reflet de la lumière des deux arbres est le souvenir d'un royaume perdu. En fait, c'est le système qui est chelou. Courir avec espace, j'ai jamais... Moi, je pense que je pourrais changer tout ça. Hein. J'ai vu faire le mec aider les gens et je me suis fait poutrer, quoi. Donc vous me direz les gars si le son est encore trop fort, j'ai l'impression qu'il est encore beaucoup fort. Quelqu'un a vu le chef? Il est sûrement parti chercher une promotion. Il la mérite avec le combat qu'il a livré. S'il devient chef de guerre, il a intérêt à me confier son ancien poste. Ils sont tarpins.
Afro Death. Ah, ça vous a fait rire, bande de chacal. Si le boulot est pas fait, la tour va venir nous mettre en jeu. J'ai bien entendu quelque chose. Nous trouve cruel. Si la tour, hein. L'heure est venue de te faire crier, Glo. Je me casse, les gars, je me casse. J'ai trouvé un moyen de me faufiler. Ok. Ok, je voulais juste faire une chose. Faut que je fasse une chose, les gars, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Je vais déjà essayer de le tuer, lui. Et après l'avoir tué, je pense que je vais brancher la manette, je suis obligé. J'arrive pas du tout comme ça. Parce que j'ai pas envie de continuer le tutoriel. Ok. On est libre. Qui a dit ça? T'es libre, rien du tout, frère. On y va. T'as déjà vu parents furtifs, mort de rire. C'est trop ça. Ça n'augure rien de bon. Tu ne vois pas. Le prisonnier a créé une diversion. Pourquoi traques-tu les Uruks avec tes yeux humains? J'en vois plus que tous les mortels. What? Tue le capitaine Orc. Si tu coupes la tête du serpent, son corps périra. Les archers. Je dois éliminer les yeux du camp. Je comprends pas pourquoi les humains crient autant quand je leur dis. J'ai entendu l'esclave demander ta question. Tu lui laisses la vie. S'il fuit encore, on va manquer de poteaux. Allez, allez, ma gueule, allez. Ok, pourquoi il y a des flèches là? C'est bizarre. Ok. Un Brook s'est échappé, quelqu'un doit aller le chercher. Alors ils vont mourir, ligotés à un poteau, et le même sort vous attend. Quelqu'un l'a tué. N'essayez plus jamais de fuir. Ce sera plus dur sans... Guimoub. Ok. Ils sont tous arrêtés, quoi. Oh my god. Gagner l'XP pour obtenir des points de compétences, développer de nouvelles compétences puissantes, participer aux luttes de pouvoir, tac, pour gagner des pouvoirs pour rapidement, plus rapidement et déverrouiller les rangs. Ok. Espace. Donc j'ai un point de compétence. Qu'est-ce que je vais pouvoir? Rapidité elfique, détonation.
Voilà, ok. Élimination aérienne. Ça, ça peut être cool. Exécution. Au calme. J'aime bien l'élimination. Ah d'accord, ça c'est pour courir plus vite. Tirer sur le feu ou sur les fûts pour faire exploser, d'accord. Boum. Ok, et chevaucher des... What? Ça a l'air pas mal tout ça, hein? L'arbre de compétences et tout le bordel. Effectuer un drainage furtif. Appuyez sur K pour tuer tous les Uruks. Et monstre marqué. Ouf! Qu'est-ce qu'il fait, frère? Bon, je me spoil sur les pouvoirs. Ok. Dégainement rapide. Le mec il rigole même pas. Ça tue, ça je veux ça. Ça je veux. Bon, nous pour le moment on en est loin. On en est loin donc pour l'instant je pense que je vais faire ça. Une fois votre compteur, donc appuyez sur F, ok. Armes et runes. Ok, vous pouvez placer des runes dans vos armes, sélectionner votre arme avec nana et appuyez sur espace avec la rune. Ok. Pour l'instant j'en ai qu'une donc ça va être très très dur mais... Ok, rune d'épée. Je savais pas qu'on pouvait runer carrément les épées genre. Et annexe. Ok, donc ça c'est vraiment tous les trucs après, ouais d'accord. La nature. Faut découvrir la nature.